Yo l'équipage, ça va, c'est moi Prince Trunks. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis, j'avais déjà promis, enfin pas comme promis, bref. Aujourd'hui je vais react un fin d'animation Dragon Ball. Voilà, donc ce sera pas que cette vidéo là, peut-être que je ferai d'autres. Donc voilà, j'espère que t'as passé une bonne journée ou une bonne nuit. Peu importe, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va react. Bon, j'ai pris un fan animation au hasard comme ça. On va le regarder et on va bien se marrer. Bon, pour te dire, moi, avec les fanfictions, soit animation ou fan manga tout court, je suis plutôt sévère. Par exemple, si en fan manga ou en fan animation est tout pourri, je risque de m'énerver. Oui, donc je préfère te prévenir. Donc voilà, donc après je vous donnerai à la fin, je vous donnerai mon avis sur le fan animation, s'il est bon, s'il est pourri ou pas. Bref, voilà, donc, alors on passe à l'animation, let's go. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner et de m'écrire ce que tu en penses dans les commentaires et partage la vidéo. Merci, oui, maintenant commençons. Ok, ça commence. C'est parti. Ok, le grand prêtre. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se transformer. Ok. Ok, grosse aura qui va dans l'espace. Très jolies les couleurs, hein, j'aime bien. J'aime bien les couleurs. Ouais, il se transforme en Super Saiyan Ange. Okay. Bon, je vais pas traduire, hein, il faut apprendre l'anglais un peu. Bon, j'ai ajouté quelques effets avec le truc parce que j'aime bien. Oui. C'est très très coloré, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un concert le mec. Alors ça par contre j'aime bien cette partie avec le truc rouge là, l'aura rouge, la couleur rouge là, j'aime bien, ça me fait penser un peu au Haki dans One Piece. J'aime bien ce genre de couleur là. Ok, Granola s'est fait défoncer. De toute façon, personne ne le respecte. Ok, Piccolo s'est fait défoncer, mais pourquoi pas, allez, vas-y. Freezer, qui fait la pose de Jésus. Je rigole. Freezer s'est fait démolir. Ok, c'est Krilin. Bon, ça aussi, j'aime pas quand Krilin se fait défoncer comme ça. Ok. Trunks qui s'est fait défoncer, Vegeta, mais non pas Vegeta. Pas mon prince. C'est pas juste. Donc Vegeta est mort, Trunks est mort. Piccolo est mort. Krillin est mort. Broly aussi est mort. Donc tout le monde est mort. En fait, pardon. Même Gohan. Ça c'est horrible. C'est horrible. Voilà. Donc Gohan est mort. Mais pourquoi il a rien lui, Goku? Pourquoi lui il a rien? Bon, s'il était blessé, je dirais ok, d'accord, tu vois. Mais là il a rien, il débarque comme ça, il a rien. Il est juste torse nu, c'est... J'aime pas. Là pour le coup, j'aime pas. Pourquoi lui il a rien? Pourquoi Goku lui il a rien? Ouais, ils sont crevés. Donc là, Goku va s'énerver, c'est sûr. Ça, c'est joli. Pourquoi la transformation du grand prêtre, elle est badass, mais il manque un truc. Il manque un truc. Ah, ça va. Mais aussi, la question, pourquoi il a tué tout le monde, en fait? Mmh.
Pourquoi tu veux tuer tout le monde? Ok, gros, c'est clair. Ok. Ah, ça c'est pas mal, le retour en mouvement. Oui, mais pourquoi tu veux tuer tout le monde, connard? Ok. Et pourquoi lui il a rien, je comprends pas. C'était quelque part, il s'entraînait, je sais pas. Ok, référence à Vegeta. Enfin, si on peut appeler ça une référence, en bref. Donc Goku, il va être Goku il vénère. Il va se transformer. Ok, c'est la même pose dans le manga où avant qu'il devienne Ultra Instinct contre Moro. C'est exactement ça. Il fait des refs en fait. Si on peut appeler ça vraiment des refs, mais je vais en revenir. Oh, Space Saiyan est maléfique. Par contre, les couleurs. Les couleurs sont magnifiques. C'est un peu. Pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu tues tout le monde? Donc tu tues tout le monde, tu tues pas Goku. Pourquoi? J'en sais rien. C'est un peu facile. Ok. Il se met 10 ans à se transformer en fait. Ok, il est bien assez gigable. C'est un peu long quand même. C'est plus long que le Super Saiyan 3. C'est bon, wesh. Mais en fait, quand il se transforme, le grand prêtre, il fait rien. Il regarde, en fait. C'est logique. Que tu veux tuer tout le monde, mais tu laisses le mec se transformer. Alors qu'il va devenir plus fort. Voilà. Ok. Donc ça l'a pris 10 ans pour se transformer. Et le grand prêtre n'a fait rien. Oh. Grosse chevelure. Ok, il est dégueulasse. Je suis désolé, il est vraiment dégueu. Hein. C'est pas de la mauvaise foi ni rien, hein. C'est vrai. Enfin, les couleurs sont jolies, les effets sont jolis, mais en global, c'est vraiment de la merde. Hein. Le seul truc qui est magnifique, c'est les couleurs. Le reste, c'est de la merde, franchement. Mais ça reste joli, mais c'est de la merde. c'est un caca qui sent bon, ce que. A priori, mini prêt. Il est puissant. Enfin, je pense. En vrai, l'animation, il est pas ouf. Enfin, le design, il est joli, mais l'animation... Mais je vais en revenir après. Aussi, je me pose la question, est-ce que les voix japonaises, là, enfin, les traductions, est-ce qu'ils traduisent réellement ce qu'ils disent? Ou soit c'est juste des extraits de voix, au hasard comme ça, il les a mis, et il fait croire que, en fait, que c'est les vraies paroles ou pas, parce que j'en doute. Peut-être qu'il y en a qui sont des vrais dialogues, qu'il a traduits, mais je pense pas que tous les mots japonais qu'il traduit, c'est des vraies traductions, enfin, si tu comprends ce que j'essaie de te dire. Ouais. Peut-être c'est des vraies voix japonaises et c'est moi comme un débile qui joue pour rien. Mais... pourquoi Goku ne défonce pas direct? Normalement Goku, quand il se transforme, il perd pas le temps de discuter, il va te défoncer en fait.
Il a fait ça avec Freezer. Et pourquoi il le fait pas avec, avec ce mec-là? Et aussi, on sait pas pourquoi le grand truc veut tuer tout le monde, en fait. Et même pourquoi il veut tuer... C'est ça, je comprends pas, en fait. Et pourquoi il sourit? Beaucoup. Bon, je sais que je suis pote, je parle tout le long, mais il y a des trucs bizarres, mais il y a des trucs que je comprends pas. Goku, il voit ses potes mourir, il s'est énervé, il a pris 10 ans pour se transformer, et il s'est transformé, il est devenu puissant, il veut le défoncer, mais il sourit en fait, il le complimente. Donc il nous complimente en quoi qu'il est devenu puissant, et c'est tout en fait, ses potes sont morts, il a rien à cirer Goku en fait. Ok, ça va se taper, non c'est fini. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette petite fin d'animation? Bon, on va pas prendre 10 ans, c'est pas si ouf que ça, en fait, à la limite, je vais pas dire que c'est nul, mais c'est fait vraiment comme s'il n'y avait pas d'effort, comme si le mec, il voulait juste faire ça, quoi, c'est tout. Il n'y a aucune intention, il voulait faire vraiment un truc pour... En fait... Tu vas me dire, oui, prince, c'est pas grave, il faut que tu poses ton cerveau, c'est juste un fin d'animation. Non, en fait, personne ne pose son cerveau quand il est Dragon Ball Super. Alors pourquoi tu viens me dire que je dois poser mon cerveau en regardant ça? Faut savoir. Oui. Aussi, pour moi, quand j'entends fanfiction, j'entends idée, originalité et... les idées de malade que tu peux avoir, là il n'y a pas vraiment d'idée, là c'est juste de la transformation, voilà, il s'est juste inspiré des trucs, en fait il a repris des trucs qu'on connaît déjà, en fait, par exemple l'animation, bon, tu vas me dire, oui l'animation est jolie, enfin, les couleurs et le design est joli, c'est pas l'animation, il y a des gens qui confondent animation et design. L'animation, une animation c'est quoi? Une animation c'est quand le personnage bouge, c'est quand quelque chose bouge. C'est ça l'animation, c'est pas le design, c'est les mouvements. Il y a des gens qui confondent ça. Voilà, donc voilà, je t'apprends quelque chose. Mais l'animation n'est pas fou, c'est juste qu'il a repris des plans qu'on connaît déjà. Sauf le seul plan qui était bien fait, je trouve, c'est quand Goku s'est retourné. Et après le reste c'est juste des copier-coller, j'ai pas ressenti de référence vraiment en fait, c'est juste qu'il a repris des scènes, il a fait ça, parce qu'il avait la flemme de faire ça. Et pour moi quand t'as une flemme de faire un fan animation ou un fan manga, pardon, j'ai fait un tiro, c'est voilà quoi, y a rien, j'ai rien senti du tout. C'est très dommage, il y a vraiment un potentiel, mais le potentiel n'est pas si exploité que ça. Aussi, le Goku, il est joli, mais il n'est pas spécialement impressionnant, ni en termes de puissance. Bon, il te dit qu'ils sont balèzes. Mais à aucun moment donné, il te le montre, en fait. Il te montre qu'ils sont balèzes, tu vois Goku, tu vois le grand prêtre qui fait un méga aura, tu vois Goku qui fait des méga aura, mais à part ça, c'est pas si impressionnant ça en termes de puissance. On te dit qu'ils sont balèzes, d'accord, mais il faut que tu le montres, parce que là, pour le coup, il paraît pas si puissant. À la limite, Goku Ultra Star de Dragon Ball Kakuma, il défonce, hein, parce que... À la limite, parce que j'ai rien vu d'impressionnant, j'ai rien vu d'extraordinaire. En termes de puissance de ces deux-là, même à la limite, la panne de mon histoire les défonce, même pas. Elle les défonce même pas en tout cas. Bon, j'ai pas encore montré la puissance de panne de mon fan manga. Ça arrivera bientôt, t'inquiète. Mais je préviens toujours. Mais voilà. C'est comme si dans One Piece tu disais oui, les quatre empereurs ils étaient balèzes. Bon, on te le dit qu'ils sont balèzes, mais à un moment donné, il faut nous montrer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc c'est pas ouf. Donc peut-être que je ferai d'autres réactions, fan animation. J'espère que les autres seront pas si nuls que ça. J'espère qu'ils seront bien. Voilà, donc dites-moi des fan animations que je peux regarder, que je peux react. Bon, j'en ai déjà vu quelques-uns. Donnez-moi des nouveaux.
Et comme ça, on pourra rigoler ensemble. Voilà. Donc, bon. Donc, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Like, abonnement, commentaire, partage. Et on se verra pour des nouvelles vidéos. Oui. À plus.